Bonjour. Savez-vous à quand remonte le logo de l'Ordre des ingénieurs du Québec? 1989. Suite à des focus groups, je peux vous affirmer que très peu de membres sont en mesure de dire spontanément à quoi signifie ce logo. C'est peut-être un peu normal, vous me direz, parce que le logo date de plus de 30 ans et beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis. Effectivement, l'Ordre et la profession ont connu des hauts et des bas. Mais grâce à notre plan stratégique et tous les efforts que nous avons déployés pour atteindre les objectifs et même les dépasser et devenir la référence en matière de protection du public, je pense que cette période difficile est derrière nous et ce changement de culture nous permet de regarder vers l'avenir. On a donc décidé de saisir cette opportunité-là afin de rafraîchir notre image de marque. Ce qu'on veut, c'est un logo simple, mémorable et intemporel. On veut aussi un logo qui incarne ce changement de culture-là et qui reflète le nouvel élan que connaît notre profession. Mais le plus important, je pense que ce nouveau logo-là va permettre à nos 64 000 membres ingénieurs de mieux s'identifier à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Donc, la grande question est, quand sera ce nouveau dévoilement de logo? Comme vous le savez peut-être, ça, on va souligner les 100 ans de l'Ordre et ça dès l'automne 2019. Au même moment, on lance notre campagne de valorisation de la profession que les membres nous ont mandaté à une assemblée générale annuelle. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va dévoiler notre nouveau logo. Vous l'aurez compris, c'est à l'automne 2019. Donc, je vais devoir vous demander de patienter un peu pendant l'été, pendant qu'on peaufine les derniers détails. Sur ce, je vous souhaite donc un bel été à tous et à bientôt.